Là, on est au Kernas de Garagoumsa. Donc, Kernas de Garagoumsa, c'est un de nos sites, parmi les 15 sites que l'ONG BFN appuie dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition. BFN est une ONG nationale donc, qui a été créée en 2002 par un groupe de jeunes médecins et qui a commencé à travailler en tout cas en 2009 dans le cadre bien sûr de la prise en charge de la malnutrition au niveau du district de Mera et de l'appui pour le paludisme. Là, c'est un cas de malnutrition sévère, compliqué de déshydratation. Sévère parce que quand tu regardes l'enfant, il a tout ce qui est signe de déshydratation sévère, en tout cas, avec les yeux qui sont enfoncés, les plis cutanés. Ouais, il y a vraiment urgence. Hein. Là, on est en train de vouloir lui injecter quelques cc, quelques millilitres de. Combien? Quelques millilitres de dextrose. Donc, pour un peu remonter la glycémie, parce que très souvent, la déshydratation s'accompagne d'un état plus ou moins hypoglycémique de l'enfant. Et ça nous permettrait quand même de lui donner quelques molécules sucrées, du sucre. C'est une situation quand même très, très, très délicate hein, et qui, en tout cas, si la prise en charge n'a pas intervenu rapidement, risquerait d'être fatale pour l'enfant. C'est un enfant qui nous a été adressé par un de nos partenaires, BFN. En fait, elle est malade depuis quelques jours. Probablement, son état nutritionnel n'était déjà pas très, très bien auparavant. Et là, avec les infections qu'elle a, ça la déséquilibre complètement. Donc, elle a en fait une infection respiratoire. Et aussi, elle a eu des selles liquides les derniers jours. Donc, elle a perdu beaucoup de liquide. Et donc, le traitement qu'elle reçoit maintenant, c'est surtout le remplissage avec des liquides par voie veineuse dont elle a besoin parce qu'elle est sévèrement déshydratée. Et aussi, elle va avoir un traitement antibiotique pour traiter l'infection respiratoire qu'elle a. Elle va s'en sortir? Je dirais que oui. Elle a l'air encore assez bien. Elle est très malade, mais ça va. Elle n'est pas en choc, ça va. C'est le centre nutritionnel thérapeutique hospitalier. Et il est situé à 5 km d'ici. De ce centre, nous prenons en charge les enfants malnutris, sévères, avec complications. Et donc, en ce qui concerne les chiffres, on peut dire que 30% de nos bénéficiaires viennent du Nigeria. Et en ce qui concerne l'Ukraine, c'est environ 45 à 50% des patients. Docteur Moïse, quel est l'état de santé de cet enfant? Oui, vous avez là le cas d'un enfant, d'un jumeau de 6 mois, qui nous arrive du Nigeria, donc, qui dans l'histoire fait une fièvre, a diarrhée liquide depuis 8 jours. Il vomit en plus, donc la maman a décidé de l'amener au Crène ici. À son admission, comme vous le voyez, il est faible, vraiment apathique, il réagit peu cet enfant-là. Il a vraiment une déshydratation sévère. Donc, voilà. Et comme conduite ici, nous allons donc l'envoyer en soins intensifs où il va bénéficier donc d'une réhydratation rapide, voilà, sous surveillance bien sûr. Chaque semaine, on admet en moyenne 150 enfants. Donc on peut dire qu'on est déjà dans le pic. Les prévisions parlaient déjà d'un pic qui est précoce. Effectivement, c'est depuis le mois de mai qu'on commence déjà à avoir une augmentation des chiffres au niveau du CRENI ici. Et quand on compare aux années précédentes, c'est vers le mois de juin qu'on avait le pic, mais là c'est au début du mois de mai. Alors est-ce qu'on a une explication pour ça? Bon, l'explication, c'est que selon les experts qui ont suivi la situation de la sécurité alimentaire, que les populations n'ont pas fait stocker de réserves alimentaires, donc le mil, ils n'ont pas assez stocké. Et du coup, le peu de réserves qui a été conservé est en train d'être épuisé. Donc ça sera épuisé aussi précocement, donc ça va exposer les populations à une crise alimentaire précoce aussi et de grande intensité parce qu'il n'y aura pas assez à manger pendant longtemps comme nous. Ah.
Donc nous voulons développer maintenant la stratégie préventive. C'est un axe très important qui concerne la prise en charge de la malnutrition aiguë. Cet axe vise à réduire les enfants, en tout cas la proportion des enfants qui vont devenir sévères, en prenant en charge de façon précoce les enfants avec malnutrition aiguë modérée. C'est une stratégie qui va viser cette année 25 000 enfants. L'objectif final, c'est pouvoir accompagner le ministère de la Santé aussi dans l'implémentation des stratégies durables qui peuvent être répercutées ou mises en place les années prochaines de façon à pouvoir réduire la prévalence de la malnutrition aiguë sévère.